Ma soeur, mon frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Non, non, ma cambo bandite. Alléluia. Oui, Zali, au chamoussa, mon bouquet. Yébissa, au Azana Pembe, Nayo. La gauche, ton à droite, Nayo. Yébissa, été. Au Zali Pembe, la piscine. Alléluia. Vous allez libérer la piscine. Yébisaye, Nathalie, c'est le mouvement Maï. Ah, Yébisaye,
Asante la mama. Anaisha mbele na Santoni. Haleluya. Hapo ngine na Santoni. Tunalipo penga le poko mata de la foi. Le poko Alléluia. Alléluia. Amuna nana 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 sato. Yo sé que tu quieres cosa nata chena chamo ya pasi. Maboko, bona yesu maboko. Aleluya. Este meluti na lole pate. Ye moli mati ye. O tibio, ne malo mati ye. E da dio, ye moli mati ye. E tibi, e tibi malo mati ye. Tombola ma boko li kolo, tombola ma boko li kolo, tombo sema buya na zambe, lemo limo ekisa, ekisa, lima kisa, ekisa, zaba kisa, ekisa, lima kisa, ekisa, zaba kisa, ekisa. Pasteur Nabiso Jamari. L'emboîte mon bonheur Zamba Belema, la Seigneur de Sangato Telema, Bissonios. Yako Sala prière, ya ouverture. Bonamoluna Bissoya. Pourquoi on est là? Telema Skozali, ma soeur, mon frère, les amis, mon malam, Sasaïti, Otokotinango. Tobeti maboko makasi pona mambo na Nzambe na tangu. Alleluia.
Et Zali, pasteur Jean-Marie Kabangou, aux Zali responsable et à base Nabisso, et à cité de la foi Nastende. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Zambele Kinangouya Nyosu, toi qui es le créateur de l'univers entier, Yonde Mukeli Namura. Parole. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et qui fais hâte d'accomplir ta parole. Qui est Dieu. Nul n'est comparable à toi. C'est par ta grâce que ton peuple a répondu si nombreux. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Chacun de tes enfants t'a demandé, et il t'a demandé avec foi. J'ai dit comme le Seigneur, qui a dit devant le tombeau de Lazare, Père, Tata, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je crois au Dieu que tu as déjà répondu à chacun de nous. Tu as guéri le malade. Tu as répondu au besoin de tes enfants. Tu as donné le mariage à ceux qui en ont besoin. Tu as délivré les captifs. Tu les as revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Dieu de miracle, prends les contrôles de cette assemblée. Ouvre tes lieux par le sang de Jésus. Et dresse une myriade de feu du Saint-Esprit autour de cette assemblée. Et que ta gloire puisse apparaître en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, qui est digne de louange, qui est digne d'adoration, qui est incomparable. Tu es le roi de rois, le lion de la tribu de Judas. Tu es l'auteur de la foi. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es Alpha et Omega. Tu es les choses arrivent. Et nous t'acclamons très fort. En nom de Jésus. Nakomona Yesu. Bétali tout le monde comme ça, alléluia. Bétali ma boko, bétali ma boko, ganga, bétali tu plais. Bétali, est-ce qu'on dit bien, gros? Est-ce qu'il y a qui prend la décision? Pour la langue qui m'a envoyé l'ensemble, je n'ai pas écouté la radio à l'obéité. Après, c'est une histoire, il y a mon tournoi dans la langue qui peut mener à l'Ishima. Pour vivre le maquette, c'est au hasard, il faut pas la négociation. Des fois, il y a un peu de alléluia. Il y a un peu de temps pour aller là. Ma soeur, mon frère. Yo salamoto moto ko ya komi bwaka ni boso. Ko lukate moto bwaka yo. Tango alléluia. Moto wana zai ko zira babu bwaka ye au mera ki mbule mbele. Kati yo na poko na lelo, soit décision, soit risque, ya komi bwaka yo moko. Pe ko mwana kiambo na Nzambe. Amen. Sasa hivi tuzali kokota na eteni mosusu. Ya basali na Nzambe oyo bazali kosala Nzambe na nzela na baloyembo toto bengi koral yango tuzali koyamba ya liboso selection kesesi mapoto mapoto aleluya matia yango sasa ipi lisanga tuzali kotelema likolo totelemi biso nyonso bandeko tolobi ete mai yango ebandi malembe malembe koningana Maï et Bandico Ningana cause à la 17e. Cause à la 17e, ma soeur.
Sasa ipi Tolidiko yamba yeme General Yama pinga na yawe Tonika futa dote mana Tango wajariko puta na ndeko langa Wajariko beta na boko Tanda Beta chike Beta chike Beta chike Beta chike Beta chike Kwa le kumuna Yesu Alleluia Amen Je vous assois au nom de Jésus. Pourquoi tu te vas l'action dans ce moment? Je vous dis de recevoir des acclamations. Abominateur, ma boque, on a dit ça. Vous m'avez bien reçu. Oui, Amira et Malam. Maintenant, nous allons recevoir. Zikawa Tokoyama. C'est lui. Oui. Je vous connais. Nous allons nous lever pour le thème de Sonio et nous allons approcher le Seigneur par le Saint-Esprit au milieu de nous. Chacun de nous va exprimer sa foi. Parce qu'il est l'unique sauveur et Seigneur, il est le véritable Dieu. L'honneur revient à son serviteur, mais la gloire lui revient. Il ne peut en aucun cas partager sa gloire. Il vous aime. Allez, vous devez voir le Seigneur. Poussez des cris de joie. Gata na esengo. Gata na esengo. Poussez des cris de joie. Gata na esengo. Gata na esengo. Je vais passer les musiciens ne sont pas dans leur place. Oh, avec une tête de ma jante. C'est regrettable, c'est regrettable. Les musiciens ne sont pas à leur place, c'est regrettable. Avec des demandes ici qu'à la bangote, Zanim Mawa. Comme ils ne sont pas là, le coup la bataille là. Appelle-moi Eden. Bégéla Eden. Approchez Eden. Eden de Bouéa. Acclamons pour la bande. Petit, si on a beaucoup de temps dans le ils vont nous conduire dans un cantique que nous allons approcher le Seigneur ensemble avec Bako. Kumba bisokati na loye momo comme tout au bel et misalango koloka. Bien d'asseoir. Pourquoi qu'on vanda? Tu peux nous chanter pour le sang de la Yoyango. Bako yende la bisokati pour le sang de la Yoyango. Écoutez bien Eden and Worship. Peu kamalamo Eden and Worship. Hey!
Thank you.
tout ta porte bénédicte. Te répondons, Jésus. Alléluia, Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Soulager les comprimés. Il est toujours capable de réaliser. Tu es mon ombre à ma main droite. Viens, Saint-Esprit, ta onction divine. Parle à cette assemblée. L'Oman. Et ton œuvre se manifeste. Je salue la présence de tes anges et la paix du monde de la gloire et la banque et nos bassins qui sont dans l'exercice de leur ministère à notre faveur. Au basalika, le mosala et le tourne à l'emploi de l'homme. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé à jamais. Et dans ta main puissante et invisible. Pour confirmer la parole par des signes de prodiges et de miracles. Nous t'acclamons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci d'avoir répondu favorablement à l'appel de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un fait de hasard. C'est la providence qui dit. Je sais que vous avez déjà assisté à des grandes réunions d'organisation, des conventions bibliques, des grands séminaires. J'aimerais vous dire une chose. Chaque homme de Dieu a une valeur spécifique selon la mesure de la grâce que Dieu lui a accordée. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous y êtes? J'y suis. Vous avez tout intérêt à suivre ce message. J'aimerais que vous puissiez soutenir ce message par des acclamations au nom de Jésus. J'aimerais vous dire une chose. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est par sa grâce. Et l'homme répond par la foi. Et que la grâce de Dieu qui va frapper. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est par sa grâce. Et l'homme répond par la foi. Et c'est la grâce de Dieu qui va frapper. Qu'est-ce que c'est l'onction? Et par quoi est-ce que l'on connaît? C'est le fait de rendre seulement un objet ou une personne et d'élever une charge qui est sacrée. Et d'élever la coupe par la et l'autre tombe au sang de l'eau.
Chaque fonction a une cause. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais que le Saint-Esprit parle par moi. J'aimerais que c'est l'onction du Saint-Esprit qui demeure à nous puisse nous enseigner toutes choses dans la vérité. Je reconnais une seule chose. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je m'adresse à tous les aveugles qui sont ici. Je m'adresse à tous les paralytiques. Je m'adresse à tous les muets et les sourds. Je m'adresse à tous ceux qui sont malades. Ceux qui ont des fardeaux. Je m'adresse à tous ceux qui sont sous l'emprise des forces du mal. Jésus-Christ est l'unique sauveur et Seigneur, il est le véritable Dieu. Il est le même hier. Je m'adresse à tous ceux qui ont le fardeau. Écoute-moi très bien. Écoutez la voix de Dieu à travers ce message. Je sais que tu es ensorcelé. Ils ont dit que tu mourras. Mais Dieu te dit que ta vie est cachée dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Par toi, Dieu va manifester ta gloire. Pourquoi cela? En aucun jour, le ténèbre aura de l'avantage sur la lumière. En aucun jour. Et je veux vous donner la révélation. La lumière a de la valeur si le ténèbre existe. Si les ténèbres n'existent pas, la lumière n'aura pas de l'avantage. Alors, votre problème donne de l'avantage à la lumière parce que Dieu va confirmer sa parole par des signes, par des prodiges et des miracles. C'est maintenant que le peuple verra que Dieu est Dieu. La médecine t'a condamné. Mais Dieu va opérer des grands miracles. Afin que tout le monde sache que Dieu est Dieu. Alors j'aimerais te dire une chose. Tout est possible à celui qui croit. Alors dis c'est possible. C'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez? On dit bien. Vous y croyez fermement. On dit bien. Je veux poser la question. La retourne au parce que toi, ça fait commencer tout de suite là. Vous y croyez fermement. On dit bien. C'est possible. Et Kokiko Salama. C'est possible. Et Kokiko Salama. Tu fais lâcher tes défis. C'est possible. Et tu peux te mettre debout et commencer à marcher. C'est possible. Quand tu es venu ici, on t'a transporté, n'est-ce pas? La puissance de Dieu est en train d'agir. Oui, on entend les gens au essaie seulement de te mettre debout là où tu es. Et tu viendrais. Tu ne vas pas conjuguer des efforts. C'est possible. Tu es là? Ça commence déjà. Évanier. C'est le merveilleux. Azamala. Dieu nous aime beaucoup. Attendez d'abord. Viens là. Il est merveilleux notre Seigneur. Amen. Amen. Moi je ne crois pas
À ceux-là qui disent que Dieu donne lentement, mais le diable donne rapidement. Ce verset-là n'existe pas. Mon capoin la Biblia, ça l'a caché. Parce que tout est possible à celui qui croit. Si c'était comme ça, Moïse ne pouvait pas confronter le magie. Je ne crois pas à ceux qui disent que la puissance des ténèbres peut détruire les enfants de Dieu. Moïse avait son bâton. Il a jeté. Ça s'est transformé en serpent. Les magiciens sont jetés. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as réellement la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va engloutir la force de l'ennemi. Ce qui veut dire que quand un sorcier, quand un magicien, quand seulement quelqu'un décide de combattre les enfants de Dieu, il déclare déjà sa défaite et il se dépouille. La preuve en est qu'il dit: je vous donne l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi sans exception aucune. Et il ajoute: et rien ne pourra vous nuire. Et l'autre mon côté, que ça la vie m'a fait. Et rien ne pourra vous nuire. Et là, comment vous êtes au salon, ma mère? Vous y êtes? Mais pourquoi on ne remarque pas cela dans la vie de ton fond? Parce que pour nous, tout le monde a carotté la bombe à l'entendre. À cause d'une telle chose. Pour nous, c'est un moment que je vais vous dire aujourd'hui. On a redissonné là. Amen. Amen. Bien aimé, écoute. Molinga Nyoka. Je vous demande de manifester la patience. C'est une réunion riche en démonstration de puissance. Suivez chaque phrase, suivez chaque mot. Landa l'ilobagnoso, molongona malobagnoso kobimao. Tout est accompli sur la croix. Et la Bible déclare qu'il se soit fait selon ta foi. Le plus grand problème, c'est quoi? Les camonais ne collent que les années. C'est la façon dont nous a prêché Christ. Et là, le Christ. Je crois au miracle. Mais le plus grand miracle, c'est le salut de l'homme. Le plus grand miracle, c'est le salut de l'homme qui se remarque par la transformation. Dans notre nation, et à travers le monde, la plupart de ceux-là qui se déclarent peuple de Dieu se sont convertis en Christ. Ils croient en Jésus-Christ comme l'unique sauveur et Seigneur. Comme le véritable Dieu. Mais ils ne se sont pas répandus. Voilà le problème. Le problème aussi, c'est nous les serviteurs de Dieu. Je ne peux pas mettre le miracle avant la repentance. Parce que la Bible déclare: la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en Dieu. Dites amen. Amen. Parce que Dieu doit commencer d'abord par nous pardonner. Il doit commencer par se réconcilier avec toi en Jésus-Christ. Alors comme Christ s'est chargé de sa croix, nous devons prendre la grande décision de renoncer à nous-mêmes, de renoncer au monde, de renoncer au diable et à toutes les œuvres de la chair,
Les apôtres ont prêché ce que je prêche et le peuple était derrière eux. Je ne peux pas prêcher l'évangile populaire. Mais je prêcherai la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Et ça les sauve. Comme Christ a été crucifié, nous devons crucifier la chair avec toutes nos passions et désirs. Et c'est un qui s'appelle vous me suivez très bien? Je vais vous donner un exemple. Moïse était dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais la Bible dit, un jour, Mokolo, quand il a eu la prise de conscience, il n'est pas égyptien. Et Adam ou Égypte, il a décidé de tout laisser. Et d'aller rencontrer ses frères. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour. L'apôtre Paul dit, des choses que j'ai considérées comme de grandes valeurs devant moi. Je les ai regardées néant pour embrasser Christ. La preuve. Elle est quand Moïse est allé dans le désert, il devait se dépouiller. Il a aidé les filles de Jéthro qui deviendra son beau-père. Mais qu'est-ce que ces filles ont dit? Un Égyptien nous a aidés. J'ouvre un dialogue avec vous. Est-ce que Moïse est un Égyptien? Moïse était un Égyptien. Répondez-moi, il était un Égyptien? Mais pourquoi ils ont dit un Égyptien nous a aidés? Par quoi? Par sa langue? Par sa coiffure? Par son habillement? L'évangile qui ne transforme pas n'est pas l'évangile. Quand quelqu'un reçoit l'évangile pur, ça se voit par la transformation. C'est le premier miracle que Dieu opère. Quand Christ vient habiter dans notre cœur, on n'aura plus la soif du monde. On aura seulement la faim de la parole et la soif du Saint-Esprit. La Bible déclare, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Le monde passe et sa convoitise. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Dis amen, gloire au Seigneur. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Comme Christ était mort, nous devons mourir avec lui. Et où? Par le baptême. La Bible dit, celui qui ne naît pas d'eau, on commence par l'eau. Et d'esprit, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Si vous avez accepté de mourir avec Christ, ce qui ce que Christ a fait sur la croix, doit se remarquer dans votre vie par le baptême au nom de Jésus-Christ et dans l'eau qui coule. Je regrette si tu as été baptisé dans une piscine. La parole reste la parole. Et elle est révélée. Et là où l'esprit et la parole s'accordent, le miracle s'opère. Et si comme on dit, mon père, il est obéissé, mamaka, picable mon anata. Nous devons mourir. Et ce n'est pas. La Bible dit, Dieu le dit, nous
serez baptisé au nom de Jésus pour. Pourquoi vous êtes ici? Si vous connaissez le pour, vous serez béni. Pour. Pona. La cause. Tina. Le plus grand mystère de la croix, c'est-à-dire que Dieu s'est réconcilié avec nous. Mais pour se réconcilier avec quelqu'un, il faut d'abord connaître quelle a été la cause de leur séparation. Si la cause de séparation n'est pas traitée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas réconciliation. Changez votre message, homme de Dieu. Oh, bon, voilà, maintenant, on va te l'entendre. Prêche la vérité. T'es à solo. Insiste sur la vérité. J'en ai avec moi à solo. Dieu te bénit. J'en ai ensemble. Pour se réconcilier. Nous devons d'abord faire la lecture correcte et juste de ce qui nous a séparés. Celui qui a tort, il doit reconnaître que j'ai tort. Et comme Dieu a raison, nous devons reconnaître devant lui nos péchés. C'est alors que nous devons confesser nos péchés mot par mot tel que nous l'avons connu. Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est quoi? Parle. Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le médicament le plus amer fait mal, mais ça guérit. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Soutenez-moi pas avec cette masse. Je sais que vous attendez le miracle. Mais avant le miracle, je suis un messager de la bonne nouvelle. Et je t'apporte la parole pure. Et je le parle avec amour. Amen. 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 Quelle a été la cause de séparation de l'homme avec Dieu? C'est le péché. Dieu est trois fois plus saint. Il ne peut jamais cohabiter avec les mains. Dieu est saint. 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 Et comme Dieu est trois fois plus saint, la justice doit se manifester. Et la justice c'est quoi? Il doit juger et condamner tout mal. C'est pour cela. La justice ne condamne que par l'emprisonnement. Pour l'examen. Ou la peine capitale. Mais comme la justice de Dieu ne pardonne pas, il faut que le coupable soit puni. C'est pour cela lui-même Dieu. Il a payé le prix. Parce qu'il ne peut pas dépasser sa parole. La vie de l'âme est dans le sang. Il a fallu que le sang précieux coule. Et c'est là qu'il m'a tiré la le mystère d'Esaïe 53. C'est alors que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour vous. Par sa mort, il nous a libérés. En il a été ressuscité pour notre justification. Alors, la première chose, nous devons l'accepter comme notre unique sauveur et Seigneur. Nous devons croire et confesser. Et la deuxième chose, nous devons nous répandre.
sincèrement, bien aimé, alors c'est quand Dieu pardonne, c'est alors que le prédicateur aura l'ouverture. Je vous dis que la plus grande faiblesse des démons, c'est quand l'homme revient à Dieu par la repentance sincère. Parce que les démons ont le pouvoir sur le péché qui n'est pas confessé et qui n'est pas abandonné. Si dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas prendre les conséquences des péchés, parce que moi je ne crois pas à ces prédicateurs qui disent que tu peux confesser, abandonner, mais les conséquences des péchés peuvent te suivre. Mais de quel Dieu? L'ancienne alliance où le sang de bouc, de taureau ne pouvait pas effacer le péché. Là où c'était le ministère de la mort. Maintenant c'est le ministère de la vie, c'est la grâce. Si Dieu vous pardonne et que les conséquences continuent, il n'a rien fait. Christ n'est pas mort celui-là. Quand Dieu pardonne, il efface. Il efface. Quand il efface, il oublie. C'est pour cela aucun homme ne peut me rappeler les péchés que Dieu m'a pardonné. Et quand Dieu pardonne, maintenant le Saint-Esprit vient. Je n'ai pas besoin de crier pour que l'onction descende. Il va ouvrir le jeu des affaires. Il va guérir. Il va libérer. Les chaînes seront prises. Et je vous dis, la gloire ancienne n'était pas une gloire. Mais cette fois-ci, parce que Dieu va te bénir. Fait que tout le monde voit qu'il est Dieu. Voilà le message que je vous apporte. Comme Christ était mort, nous devons mourir. Comme il a été ressuscité, nous devons ressusciter pour marcher à nouveauté de vie. Et alors, dis-moi, après la résurrection du Seigneur, quel est l'obstacle qui pouvait l'arrêter? Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Tu ne changes pas, mais tu deviens une nouvelle. Dieu vous a recréé. Vous allez me parler des conséquences des péchés des parents. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés. Non de la volonté de la chair. Où est le sang de mon père? Ni de sang. Mais ils sont engendrés par la parole de Dieu. Et Dieu vous a fait le premier de ses créatures. Vous ne pouvez vivre que les conséquences de la parole de Dieu. C'est là où votre foi doit intervenir. Amen. 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 Si réellement tu viens à Jésus, venir à Jésus, c'est quoi? C'est une rupture totale avec le péché. Je vais vous dire pourquoi le Seigneur m'a parlé de cette réunion. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre les complexes de Messie. Vous allez le remarquer par la compétition, l'adversité, la rivalité, la lutte pour le pouvoir, la concurrence, l'inimitié, la haine, l'envie, la jalousie. Mais où serait la place de cet esprit si on retrouve de telles choses dans votre cœur? Je me suis toujours posé des questions. Je pose des questions à tous ces hommes de Dieu.
Marie avait conçu le Seigneur Jésus. Marie a eu à venu du Saint-Esprit. Elisabeth a conçu. Elisabeth par la promesse de Dieu. Mais quand ces deux personnes se sont rencontrées, quand ils se sont salués, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, quand nous sommes ensemble, il n'y a rien qui passe? Alléluia. Amen. Mais si réellement j'ai le Saint-Esprit, quand je prêche ici, ceux qui ont le Saint-Esprit sentent que ça brûle dans leur cœur. Il y a des gens qui veulent même se mettre debout et commencer à marcher. Quand ils se sont racontés, la Bible dit, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai l'onction, c'est l'explosion. Voilà la véritable vie. Parce que ce qui est en toi, le ministère que tu as reçu, ça vient de Dieu. Et ce Dieu, c'est mon Dieu. L'onction que tu as reçu, ça vient de Dieu. Et moi, ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu. Et quand nous allons nous rencontrer, qu'est-ce qui va se faire? Alléluia. Amen. Le cœur. Mon thème. Alléluia. Amen. Alléluia. Je me suis toujours posé des questions. Si je suis rempli du Saint-Esprit, quand mon frère parle, je n'irai pas le corriger. Mon âme dira amen. Parce que ce qu'il dit vient de l'Esprit. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit, ne reste pas ce qui vient de l'homme. Ce qui vient de l'homme, ça ne dit rien. Mais si c'est la parole, si cette parole pue, ça touchera son âme. Et pour tout aller, mon ami. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Et ça, les cambos. La Bible nous parle, Bible le bénédicte, de la convoitise de la chair, la biluia l'antoto, de la convoitise des yeux, biluia la mise, et de l'orgueil, mais le fond. Je parle un peu de l'orgueil. Non, c'est le fond. Dieu veut que nous, les enfants de Dieu, que nous nous habillons très bien. Il n'y a pas une boutique pour le chrétien, mais pour le païen. Suivez-moi très bien. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas présenter les griffes païennes devant le peuple de Dieu. Jamais. Parce que quand je me présente devant vous, c'est pour vous présenter Christ. J'ai un seul message. La qualité à mon corps. Jamais. Je veux vous présenter Christ. La qualité à mon Christ. Je veux vous présenter Christ. La qualité à mon Christ. Dites amen. Pourquoi je dis cela? Parce que je peux vous présenter les griffes, je dis que c'est je ne sais pas de qui est en temps. Bon, écoutez, quand je vous présente, qu'est-ce que je fais? Cet homme-là, que je présente son griffe, c'est un petit rien sataniste. Il est homosexuel. Mais qu'est-ce que c'est à faire avec les enfants de Dieu? Je fais la publicité de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Robobo Sandaraba, Sindiria, Okotoro. Alléluia. Il est merveilleux. Azali Malam. Il est merveilleux. Azali Malam. Alléluia. Dieu n'est pas dans l'habillement.
L'onction n'est pas dans l'habillement. L'onction n'est pas dans la voiture. L'onction n'est pas dans les maisons. L'onction, ce n'est pas l'ajout des valeurs. L'onction, c'est ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu vous a donné. La puissance dans ce que Dieu vous a donné. Le merveilleux notre Seigneur. Écoutez. Yoka. L'onction se voit dans la transformation. Et pour le moment, que ma vie parle plus que mes prédications. Est-ce que vous avez compris, prédicateur? Est-ce que vous avez compris, mes frères? C'est ça la réalité. Revenons à la parole. La véritable parole. Vous me suivez? Merci beaucoup, mon frère. Amen. Amen. Revenons à la parole. Prêchons ce qui est écrit. Les apôtres ont prêché. Les gens étaient derrière eux. La parole reste la parole. Et quand nous allons revenir à la parole, nous allons vivre. La puissance. Amen. Amen. Ce sont des réalités, bien-aimés. Un enfant de Dieu doit comprendre que son corps est le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez m'accorder encore 5 minutes? Je n'ai pas encore ouvert la Bible. Si l'Esprit veut que ça soit comme ça, gloire au Seigneur. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est parmi son peuple dans les tabernacles. Dans le Nouveau Testament, il est venu habiter avec nous en Jésus-Christ, Emmanuel. Maintenant, il est avec nous par le Saint-Esprit. Nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. C'est nous l'adresse de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et ils vont commencer à parler en langue pour la toute première fois dans leur vie. Ceux qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit seront renouvelés. Le Seigneur va donner une onction pour leur couper ses parents. Jésus, reçois le miracle. Yamba, recevez le Saint-Esprit. Yamba, recevez. Yamba. Quoi? Yamba. Recevez au nom de Jésus. Nous prions tous en langue et chantons en langue. Le Seigneur est en train de baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Je vous laisse le temps de se remplir du Saint-Esprit. Oh, voilà que Dieu donne de nouvelles langues. Maintenant, c'est comme le feu qui va descendre. Dieu va ouvrir les yeux de certaines personnes. Ils vont voir le feu descendre. En vertu de l'onction que tu m'as donnée, revêtu de la puissance en haut, le Seigneur va délivrer tous ceux qui sont liés par des sorciers. Tous ceux qui sont en route maintenant par les sorciers. Vous allez sentir les gens, les démons vont quitter les corps en poussant des cris de joie. Cris très fort. Et maintenant il va se passer quelque chose pour tous ceux qui ont le mauvais sort et le malchance. Arrêtez même la musique. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes de l'ennemi soient brisées. Je brise toutes les chaînes. Au nom de Jésus. Je brise toutes les chaînes des démons. Au nom de Jésus. J'ordonne que tous les liens soient rompus.
Au nom de Jésus, je proclame la délivrance. Non, prie avec moi, ne sois pas distrait, prie avec moi. Répétez ce que je dis. La Bible déclare si des d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, attention. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. À haute voix, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. En ton nom. En ton nom. Je lis. Je lis. Toutes les forces de Satan. Toutes les forces de Satan. Toutes les forces démoniaques. Toutes les forces démoniaques. Je les enchaîne. Je les enchaîne. Je les dépouille. Je les dépouille. De leur autorité dans ma vie. De leur autorité dans ma vie. J'en ai ainsi. J'en ai ainsi. Leur pouvoir. Leur pouvoir. Je les chasse maintenant. Je les chasse maintenant. Sors. 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 Lâche ma vie. Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est mort de maladie. C'est mort de maladie. Je te lis maintenant. Je te lis maintenant. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes.